En NBA, le Thunder, une des meilleures équipes cette saison, reçoit les Pacers, Oklahoma City en forme, 16 victoires, 4 défaites. Il mène seulement d'un point à la mi-temps avant de prendre le large par la suite. Kevin Durant finit meilleur marqueur avec 27 points, auquel il ajoute 8 rebonds et 4 assists, 24 points pour Kevin Martin. Côté Pacers, West et George inscrivent 38 points à eux deux, 4 en 21 minutes pour Yan Mahimi. Score final 104 à 93, Oklahoma City dépasse les 100 points pour la 12e fois d'affilée et c'est la 8e victoire de rang pour le Thunder. À Brooklyn, les Nets perdent contre les Bucks 97 à 88, 18 points pour Deron Williams chez les Nets, mais les meilleurs scoreurs se trouvent côté Milwaukee, 50 points en tout pour le duo Ellis-Jennings. Dans les autres rencontres, les Clippers battent les Raptors 102 à 83, 6 points 4 rebonds pour Turiaf. Victoire des Knicks contre les Nuggets 112 à 106. En NFL, dans le Sunday Night Football, un duel de la Conférence Nationale Division Nord. Sous la neige, les Packers de Green Bay face aux Lions de Détroit. Des Lions qui n'ont plus gagné au Lambeau Field depuis 20 ans. Et ça commence bien pour Détroit avec un touchdown et une passe de Matthew Stafford. Malheureusement pour Stafford, c'est lui qui relance Green Bay. Attention à cette perte de balle, la perte de balle de Matthew Stafford et ça permet aux Packers de remonter avec un Mike Daniels qui va aller au bout. Deux touchdowns plus tard, les Packers s'imposent 27 à 20 et confirment leur place de leader de conférence.